profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La catastrophe de Tchernobyl était une dissimulation de quelque chose de terrifiant. Vous avez probablement entendu parler du tourisme dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. J'y suis moi-même allé plusieurs fois, et cela n'a rien à voir avec ce que l'on voit dans les jeux ou les films d'horreur. Il n'y a pas de fantômes, de mutants ou d'anomalies radioactives, et la mort ne vous attend pas à chaque coin de rue. En fait, je pense que c'est l'un des endroits les plus paisibles et les plus beaux de la planète. Un exemple de la force de la nature et de la façon dont elle peut réparer les dommages que nous lui avons causés. Ainsi, lorsque mon ami Alexis a décidé de s'y rendre, il savait à qui s'adresser. Il est étudiant en physique et mène actuellement des recherches sur les retombées nucléaires. Il m'a dit qu'il voulait obtenir des mesures directes et des échantillons. Mais nous savions tous les deux que ce n'était qu'une excuse pour partir à l'aventure. Nous avons visité l'ancienne centrale, la ville abandonnée de Pripyat et la zone d'exclusion qui l'entoure. C'était bien, mais je vous ennuierai probablement avec plus de détails. Cette partie n'est pas importante de toute façon. Nous roulions sur des chemins de terre dans une forêt à l'est de Pripyat lorsque nous l'avons trouvée. Une vieille clôture rouillée et un portail enchaîné bloquaient tout passage. Il y avait un grand panneau avec un symbole de danger d'irradiation et une légende « Zone interdite, personnel autorisé uniquement ». Il y avait une paire de portes blindées en métal massif sur le flanc d'une colline artificielle. Non loin derrière la clôture, avec peint dessus en blanc « O13 » et « No Entry ». « Qu'est-ce que tu crois que c'est ?» demande Alex. « Je ne sais pas, on dirait une sorte de bunker », ai-je répondu. « Et on dirait que c'est fermé depuis un certain temps », ai-je ajouté après avoir regardé les portes de plus près. Les deux moitiés étaient soudées au centre. Alex a pris ses échantillons et s'est relevé, mais nous étions trop perplexes pour partir tout de suite. « Tu crois qu'on peut entrer ?»« Pas par là, c'est sûr. Même si ce n'était pas scellé par soudure, je suis sûr que nous n'avons aucun moyen de débloquer l'entrée. » Alex a répondu en examinant la porte massive. « On dirait un bunker souterrain. » Il devait avoir un moyen de pomper l'air à l'intérieur, mais je ne pense pas que ce soit celui-là. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Nous avons fait le tour de l'entrée principale pour essayer de trouver d'autres moyens d'entrer. La journée touchait déjà à sa fin et il faisait lentement plus sombre. Pendant que nous cherchions, une idée m'a traversé l'esprit. Pourquoi aurait-il soudé les portes? Qu'y a-t-il de si important à l'intérieur qu'il soit allé aussi loin pour empêcher les gens d'entrer? Regarde! « Il y a quelque chose là !» me dit Alex pour me tirer de mes pensées. C'était un bloc de béton de quelques mètres de large, avec ce qui ressemblait à des bouches d'aération sur les côtés. En regardant à l'intérieur, j'ai remarqué qu'elles étaient également scellées par de lourdes trappes en acier et qu'il n'y avait aucun moyen de les ouvrir. Cependant, il y avait aussi une porte un peu plus petite, étiquetée « tunnel de service », avec une grande roue à l'extérieur. « Dois-je l'ouvrir ?»« Oui, je me demande vraiment ce que c'est. De toute façon, nous ne sommes pas obligés d'entrer. Au moins, nous verrons si la porte fonctionne encore. » Au début, la roue ne voulait pas tourner à cause de la rouille et de la saleté, mais elle finit par bouger. La porte s'est déverrouillée. J'ai tiré et elle a commencé à s'ouvrir lentement. Elle était très lourde et il a fallu beaucoup de force. Derrière la porte, il y avait une petite plateforme et un tunnel vertical étroit avec une échelle. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y avait un mécanisme de verrouillage identique à l'intérieur. Cela signifiait qu'il pouvait verrouiller la porte des deux côtés. Mais pourquoi? Nous avons eu de la chance, car il l'avait verrouillé de l'intérieur également. Il n'y aurait eu aucun moyen d'entrer. Je suis entré et j'ai éclairé le puits avec la lumière de mon téléphone. Elle n'était pas assez puissante pour toucher le fond. L'air était humide et vieux, et il y avait quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Une odeur très légère, semblable à celle d'un produit chimique. Il n'y avait pas de radiation ni de signe d'autres dangers. C'est trop cool! Il faut qu'on revienne ici et qu'on vérifie plus tard! J'étais tout à fait d'accord. Il faisait presque nuit, alors nous avons fermé la porte et nous nous sommes arrêtés là. Mais nous nous sommes promis de revenir plus tard. De retour à la maison,
J'ai immédiatement essayé de faire des recherches, malheureusement sans succès. J'ai même essayé d'appeler Pavel, un ami qui connaissait la région mieux que moi. C'est d'ailleurs lui qui m'y avait emmené pour la première fois. Il n'a pas pu m'aider non plus, mais m'a promis de se renseigner. Je lui ai parlé de notre projet et lui ai demandé s'il ne voulait pas venir avec nous, mais malheureusement, il était à l'étranger pour un certain temps. Une semaine plus tard, nous avons préparé notre matériel et nous sommes partis. Nous avons apporté des cordes, des lampes de poche lourdes, des bâtons lumineux, des compteurs Geiger, des vêtements de protection imperméable, un appareil de mesure de l'oxygène et une petite bouteille de plongée d'urgence, juste au cas où. Et comme nous ne sommes pas stupides, nous avons informé notre famille et nos amis de notre voyage et de la date prévue de notre retour. Nous avons fermé la porte derrière nous cette fois-ci et sommes descendus dans le puits d'accès. Nous ne pouvions pas savoir ce qu'il y avait là-dessous et nous ne voulions pas provoquer une fuite de radiation ou quelque chose de ce genre. Nous sommes finalement descendus dans un tunnel en béton qui contenait les bouches d'aération et quelques petits tuyaux. Il n'y avait évidemment pas d'électricité et donc pas de lumière. Heureusement que nous avions apporté les nôtres. Nous avons suivi le tunnel et atteint une autre porte, mais cette fois-ci, il s'agissait d'une porte normale, pas du type bunker lourd. Nous l'avons franchie et nous sommes entrés dans une pièce où se trouvaient quatre grosses pompes à air, ainsi que des équipements électriques et des commandes. Les conduits d'aération se divisaient ici en deux grands conduits qui allaient directement dans le sol et deux petits conduits qui allaient directement à travers la pièce où il y avait une autre série de portes. Derrière les portes, il y avait un grand hall avec de nombreuses boîtes, caisses et autres cargaisons qui traînaient là. Il y avait également un poste de contrôle de sécurité. Derrière le poste de contrôle, nous avons trouvé la porte principale que nous avons vue de l'extérieur. Juste à côté, il y avait du matériel de levage lourd. Nous avons franchi le poste de contrôle et jeté un coup d'œil à une série d'ascenseurs. Il y avait un plan simple avec la disposition de l'installation étage par étage. Nous étions à l'étage 0, dans le hall d'entrée principale, au-dessous de nous. Étage moins 1, bureau, sécurité et loisirs. Étage moins 2, laboratoire sécurisé. Étage moins 3, accélérateur, salle blanche, chambre de décontamination. Étage moins 4, site d'expérimentation. La carte était intitulée « Objet 13 ». Ce n'était pas un bunker militaire, c'était un site de recherche. Nous avons emprunté des escaliers car les ascenseurs ne servaient à rien en l'absence de courant. Une pensée troublante m'a effleuré l'esprit lorsque nous descendions. Ils étaient probablement en train de déplacer du matériel, puis ils l'ont laissé là et ont emmené l'équipement jusqu'à la porte principale. Essayaient-ils de sortir ? J'ai posé le pied sur une autre marche, mais quelque chose a roulé sous mon pied. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé sur le dos. Mon sac à dos a heureusement absorbé l'impact. J'ai regardé sous mes pieds pour voir ce qui avait causé ma chute. Des douilles de balles vides. Ce n'était pas la seule raison pour laquelle je me sentais bizarre dans cet endroit. Dès que nous sommes descendus au niveau moins 1, j'ai remarqué que toutes les portes étaient ouvertes. Toutes. Il y avait une cantine et une cuisine au début d'un long couloir rectangulaire. Divers bureaux entouraient le couloir. Il y avait les affaires habituelles. De la paperasse, de vieux ordinateurs, des effets personnels. Tout était là où ils l'avaient laissé. Sont-ils partis précipitamment ? Alex a appelé depuis la cantine de l'autre côté du couloir. « Dimitri ! » !»« Quoi ?» C'est tout ce que j'ai pu dire lorsque je l'ai suivi jusqu'à la cantine. Il y avait encore de la nourriture proprement servie sur les tables, mais elle n'était pas avariée. Elle n'était pas fraîche non plus, mais elle ne se décomposait pas, comme devrait le faire un repas vieux de 30 ans. « Mais comment est-ce possible ?» Je ne sais pas. Peut-être que ça a été irradié ou quelque chose comme ça. Mais ça ne l'est plus. Je l'ai vérifié. Je ne sais vraiment pas comment c'est possible. » A-t-il répondu aussi perplexe que moi. Putain. Pourquoi n'avons-nous pas fait demi-tour et ne sommes-nous pas partis? Maintenant que je vous en parle, il y avait déjà tant de signaux d'alarme. Il s'est vraiment passé quelque chose de grave. Mais je suppose que nous étions trop excités et curieux.
Mais c'est à ce moment-là que mon excitation a commencé à s'estomper et à être remplacée par un sentiment étrange. Néanmoins, nous avons continué et sommes descendus au niveau moins 2. La cage d'escalier se terminait ici, et pour aller plus loin, nous devions traverser tout l'étage pour en atteindre un autre de l'autre côté. Il y avait un point de contrôle de sécurité et une grande porte anti-explosion que nous devions franchir pour atteindre les laboratoires. Là encore, toutes les portes étaient grandes ouvertes. Cependant, les choses que les gens laissaient ici n'étaient pas bien rangées là où elles auraient dû l'être. Il y avait du désordre partout. Il y avait toutes sortes de pièces avec toutes sortes d'équipements que je ne comprenais pas. De temps en temps, il y avait encore des douilles de balles vides sur le sol. Il y avait toujours le même couloir central rectangulaire, mais les pièces qui l'entouraient ressemblaient à un petit labyrinthe. Presque à l'autre bout de l'étage, nous avons trouvé le bureau du scientifique en chef. Comme je l'ai dit, tout était en désordre, mais j'ai trouvé un journal de bord sur le bureau. Il n'y avait qu'une poignée de pages, le reste étant déchiré. Voici ce qui était écrit. 5 octobre 1984. Aujourd'hui, nous avons réussi à déplacer plusieurs atomes sans modifier leurs propriétés physiques. La route sera longue jusqu'à ce que nous puissions transporter des objets solides, mais nous avons fait du bon travail. 17 janvier 1985. Nous avons réussi à transporter une pomme aujourd'hui. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le motif de la peau rouge et verte sur le dessus était légèrement différent. Mais c'était toujours la même pomme, avec la même structure, la même forme, tout. Nous avons également essayé de transporter des appareils électroniques. Ils étaient indemnes et en état de marche. Je pense que nous avons encore beaucoup à perfectionner et à apprendre sur cette technologie, mais nous ne pouvons pas ralentir maintenant. Le pays compte sur nous. 21 février 1985. Après les essais sur les animaux, nous avons transformé notre premier humain aujourd'hui. Il est vivant et en bonne santé, un brave héros de notre nation. Nous avons prouvé que cette technologie fonctionne maintenant, mais la praticabilité est encore très limitée en raison du ratio de translocation fixe. Nous ne pouvons toujours pas envoyer de la matière. Nous ne pouvons qu'échanger les positions de deux objets tout aussi massifs l'un que l'autre. J'ai proposé un nouveau type d'appareil qui pourrait éventuellement réaliser une translocation unidirectionnelle d'un seul objet, mais qui nécessiterait une immense quantité d'énergie. 1er mai 1985. Nos supérieurs ont accepté ma proposition. Ils vont construire un nouveau translocateur, beaucoup plus grand, ici, dans la centrale électrique, afin que nous puissions utiliser un réacteur nucléaire comme source d'énergie directe. Il y a encore une chose. Nous avons maintenant transloqué des dizaines de sujets d'expérience. Chacun d'entre eux est en vie et en bonne santé, mais parfois ils sont un peu, eh bien, différents. Ils prétendent parfois que certains événements du passé se sont produits différemment de ce qu'ils étaient réellement. Parfois, ils prétendent connaître des personnes qui n'existent pas, ou plus inquiétant, ils connaissent des personnes qu'ils ne sont pas censés connaître. Le sujet 28 parlait une langue inconnue et ne pouvait comprendre aucune langue réelle après l'expérience. 25 avril 1986, nous allons essayer de changer notre approche. Cela fait plus d'un an et nous n'avons toujours pas réussi à éliminer l'anomalie de symétrie de translocation. Nous ne savons toujours pas quelle en est la cause, mais nous n'allons pas progresser de cette façon. Aujourd'hui, nous allons essayer d'accéder à la réalité du conduit. Même si l'unité 2, celle que nous avons construite dans la centrale électrique, est encore récente, nous allons l'utiliser pour cette expérience. Qui sait quelles merveilles nous attendent de l'autre côté? Il y avait une dernière page dans le journal de bord. Elle ne contenait qu'une seule phrase, écrite encore et encore. Nous les avons laissés entrer. Nous les avons laissés entrer. Nous les avons laissés entrer. Alex, je crois qu'on devrait y aller. Mec, viens voir ça. Je suis sorti du laboratoire et je suis retourné dans le couloir. Il y avait des vêtements partout dans le couloir. Enfin, ce qu'il en restait. Ils étaient déchirés en lambeaux. Pas de corps, pas de sang. Juste des bandes de tissu et de temps en temps une chaussure ou une montre. J'ai levé les yeux et j'ai regardé le couloir sombre devant nous. Je suis resté là un moment. C'était, je ne sais pas, comme si quelque chose avait déchiré tous ces gens en lambeaux, puis avait tout nettoyé, sauf les vêtements et autres matériaux non organiques. Une vague d'effroi pure et instinctive m'a envahi. Je ne pouvais plus bouger.
Je ne pouvais même plus respirer. Sortons d'ici. Alex a dit. Nous nous sommes retournés et nous sommes partis. Lentement au début, puis nous avons accéléré le pas. Nos pas résonnaient dans la structure souterraine. Je veux juste sortir d'ici, mec. On n'aurait pas dû faire ça. Je ne lui ai pas parlé du journal de bord, mais... Mes pensées ont été interrompues par une prise de conscience soudaine. Sa voix ne résonnait pas. Il n'y avait que nos pas. Je pense qu'il s'en est rendu compte lui aussi, car nous nous sommes tous deux arrêtés et avons écouté. Rien. Juste le silence. J'ai fait un pas en avant. J'ai fait un autre pas. Il y avait cette porte juste devant nous, et je me suis forcé à essayer quelque chose. Je l'ai refermée derrière nous lorsque nous l'avons franchie, et j'ai posé dessus un gobelet en verre que j'avais trouvé par terre. J'ai fait un pas en avant. Le silence. Je me suis dit que ce n'était finalement qu'un écho. Nous nous sommes éloignés d'abord prudemment, puis nous avons de nouveau accéléré le pas. Nous avons tourné à un coin, et c'est alors que tout s'est passé. Le verre s'est brisé. Quelqu'un ou quelque chose vient d'ouvrir la porte. Nous avons laissé tomber tout notre équipement, sauf nos lampes, et nous avons couru aussi vite que possible. Je ne savais même pas que je pouvais courir aussi vite. J'ai toujours essayé d'être un dur à cuire, mais je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Nos pas ne résonnaient plus. Ou plutôt, ils n'étaient plus synchronisés avec les nôtres. Quelque chose nous poursuivait. À chaque seconde, il se rapprochait, de plus en plus près. Dès que nous avons atteint le poste de contrôle de sécurité, nous avons commencé à fermer la porte. Le joint rouillé de la porte a grincé en signe de protestation, mais nous avons tiré de toutes nos forces. Nous l'avions presque fermé quand nous avons entendu un grognement fort, guttural et peu naturel. La porte s'est refermée avec fracas et j'ai mis la poignée en mode verrouillé. Mon cœur battait si fort que c'est tout ce que j'ai entendu pendant un moment. Non, attendez, ce n'était pas mon cœur, c'était cette chose qui frappait la porte verrouillée. Nous avons recommencé à courir, nous avons atteint la cage d'escalier et nous sommes montés en courant, en faisant deux ou trois pas à la fois. Nous avons finalement atteint la salle des pompes à air. L'ascension nous a vraiment épuisés, et même si j'avais une peur bleue, j'avais l'impression que je m'évanouirais si je faisais un pas de plus. D'ailleurs, nous avions fermé à clé. Alex s'est assis et a appuyé son dos sur l'une des grandes bouches d'aération verticale. Oh putain, on a tout verrouillé ici, mais on a oublié les bouches d'aération. Alex et moi, nous sommes regardés. Nos yeux se sont croisés, et puis la bouche d'aération a éclaté, et il n'était plus là. Je l'ai seulement entendu crier lorsqu'on l'a traîné en bas. Je me sens mal d'avoir fait ça, mais j'ai couru. J'ai grimpé le puits de service et j'ai fermé la porte de service à clé quand j'ai enfin pu sortir de cet enfer. Dès que j'ai retrouvé le service téléphonique, mon téléphone s'est mis à biper avec des tas et des tas d'appels manqués et des messages de Pavel. Hé Dimitri, j'ai trouvé ce type. Il dit qu'il sait ce qu'est le O13. S'il te plaît, décroche dès que tu peux. Il dit que c'est dangereux et que tu ne dois pas t'en mêler. Ce type m'appelle en ce moment. Il a l'air sérieux. Rappelle-moi tout de suite, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il va là-bas. Il va essayer de vous retrouver. J'espère que tu auras ce message avant de descendre. Fais attention à toi. Il y avait également un message provenant d'un numéro inconnu. Dimitri, c'est Anatole Moroz. Je sais ce que tu as trouvé et je suis en route depuis Kiev. Ne descends pas là-bas. Si tu l'as déjà fait et que tu parviens à sortir, ferme la porte que tu as utilisée pour entrer et assure-toi qu'elle reste fermée. J'essaierai de te rappeler quand je serai là. Me voilà donc en train de vous parler pendant que j'attends. Je le fais pour m'assurer que personne d'autre ne répète notre erreur, car je ne sais pas si je vivrai longtemps pour le dire à quelqu'un personnellement. Je ne peux pas laisser Alex derrière moi. Je dois y retourner.
putain d'étudiant, que dit le panneau sur la clôture ? No entry. Vous ne savez pas lire ou quoi ? Il pointe du doigt le texte affiché sur la porte principale. Pas d'entrée, putain. Tu crois qu'on a mis ça parce qu'on n'a rien de mieux à faire ? Quel intérêt à venir fouiner ici, bon sang ? Il soupire. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Regarde ce que tu as fait, ce que ton idée géniale t'a apporté. Morose m'a crié après que j'ai fini d'expliquer ce qui s'était passé. La première chose qu'il a faite en arrivant a été de vérifier le tunnel de service et de s'assurer qu'il était bien fermé. Il ne m'a même pas parlé. Il a juste couru jusqu'au tunnel et s'est assuré qu'il était scellé et verrouillé. C'était un homme d'apparence moyenne, probablement dans la cinquantaine, mais je pense que les gens diraient qu'il a l'air plus vieux qu'il n'est en réalité. « Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demandai-je. Il s'est levé et s'est dirigé vers sa voiture. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je vais sauver ton ami, et tu viens avec moi. Tu feras tout ce que je te dis, et rien d'autre. Reste tranquille, essaye de ne pas t'épuiser. » L'air ne circule pas et tu vas brûler tout l'oxygène et suffoquer. Tu resteras attaché à moi par ce fil. Il soulève ce qui ressemble à un petit treuil rétractable. Quand j'éteindrai ma lumière, tu feras de même immédiatement et tu ne bougeras pas. Il continua et sortit un fusil de chasse du coffre de la voiture. Est-ce que ça va nous aider ? Dans une certaine mesure, mais ne t'en sers que si je te le dis. Il m'a dit et m'a tendu un pistolet. Dernière chose, tu connais l'odeur de l'ozone ? Il m'a demandé et j'ai acquiescé. Si tu sens l'odeur de l'ozone, cours. Je commençais à me demander si c'était une bonne idée quand il a enchaîné et verrouillé la porte de l'intérieur avec un énorme cadenas. C'est le seul moyen de les empêcher de sortir. A-t-il dit lorsqu'il a remarqué que je le regardais ? Je n'aurais pas de clé ? Ai-je demandé en le regardant fermer le cadenas d'un coup sec ? « Désolé, je n'en ai qu'une. Mais ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés. » dit-il en glissant sa main sur le filin qui nous reliait. Le filin a fait des allers-retours entre nous pendant que nous traversions le tunnel de service. Cela m'a donné un certain sentiment de sécurité. Je pouvais être sûr de ne pas me perdre et de ne pas être séparé de la seule autre personne à proximité. Cela créait une sorte de rythme étrange avec le carburant diesel qui flottait dans les grands bidons que nous transportions. Nous nous sommes d'abord arrêtés dans la salle du générateur, de l'autre côté du hall d'entrée principal. Le générateur s'est mis à tourner lentement en émettant des cliquetis et des ronflements. Tu l'as vu ? Quoi ? Nous avons un peu de temps pour parler jusqu'à ce qu'il se mette en marche. As-tu vu ce qui a pris ton ami quand c'est arrivé ? Non ! Mais quel est cet endroit ? Demandai-je à nouveau. Il a regardé en l'air, a soupiré et m'a expliqué. Il s'agissait à l'origine d'un stock militaire dans les années 50. À la fin des années 70, il a été transformé en site de recherche. Tout ce qui était trop fou pour que le public le sache, ils l'ont fait ici. Et c'était parfois des trucs complètement dingues. Puis, ils ont eu ce projet sur la téléportation. Ils ont même reconstruit la moitié de l'installation pour l'abriter. Et c'est là que tout est parti en vrille. Mais comment est-ce que vous savez tout ça ? J'ai travaillé ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses ? Ce sont... A-t-il commencé avant de s'interrompre ? Je ne sais pas. Je n'étais qu'un assistant. Est-ce que quelqu'un le sait ? Plus maintenant. Tous ceux qui savaient, eh bien, disons qu'ils n'ont jamais quitté cet endroit. Et comment vous en êtes sorti ? L'embrayage du moteur s'est enclenché avec un clic et le générateur s'est enfin mis en marche. Je ne suis pas sorti. J'étais en congé maladie quand c'est arrivé. Les lumières s'allumèrent un bref instant, puis s'éteignirent à nouveau lorsqu'un disjoncteur sauta. Ce n'est pas grave. Nous ne pouvons pas nous passer de l'électricité pour les lumières. Nous en aurons besoin ailleurs. Tu verras. Quoi qu'il se soit passé ici, quoi que ce soit qui ait tué tous les gens d'ici, et Dieu sait comment c'est lié à la catastrophe de Tchernobyl, il n'était pas là. Il a pris un putain de congé maladie. Allez, gamin, on y va. Nous étions au point de contrôle de sécurité du labo que moi et Alex avions fermé plus tôt pendant notre évasion. Souviens-toi, reste aussi silencieux que possible. M'a dit Morose, et nous avons lentement ouvert la porte anti-explosion. À notre grande surprise,
la lumière nous a immédiatement aveuglés, quelque chose nous éclairant de plein fouet. J'ai reculé d'un pas, le temps que mes yeux s'adaptent à la lumière, puis j'ai enfin vu la source de la lumière, la lampe de poche d'Alexis. J'ai voulu la ramasser, mais Moroz m'a rapidement arrêté avec son bras et a pointé du doigt l'obscurité du couloir devant nous. Nous sommes restés là un moment, silencieux, puis j'ai cru entendre quelque chose au loin. Moroz a immédiatement éteint sa lampe frontale et m'a fait signe de faire de même pendant qu'il allait s'accroupir dans un coin. Je l'ai suivi et j'ai également éteint ma lampe, mais nous étions toujours éclairés. La lampe d'Alex était toujours allumée et éclairait la pièce. Moroz a poussé un juron silencieux. Il est allé chercher la lampe de poche et il l'a éteinte. Nous étions maintenant dans l'obscurité totale. Les gens disent que lorsqu'on est stressé et qu'on perd un de ses sens, les autres s'intensifient pour compenser. C'est vrai. Ou peut-être qu'ils se rapprochaient de la vérité, mais ça n'a pas d'importance. J'ai entendu quelque chose tomber au sol avec un bruit sourd, puis quelques pas irréguliers. Pas comme les pas de quelqu'un qui marche avec une paire de chaussures. C'était comme si quelqu'un marchait pieds nus, de la chair sur du béton, et il se rapprochait de nous. J'ai instinctivement saisi l'arme que Moroz m'avait donnée, en espérant ne pas avoir à m'en servir. Les pas étaient maintenant si proches que je pouvais entendre une respiration lente et rauque. Je crois même avoir senti une brise froide sur mon visage. Inspirez, expirez. Je ne veux pas penser à la proximité. Puis quelque chose s'est écrasé contre un mur dans la direction d'où nous venions, avec un fracas et un bruit de verre et de plastique qui se brise. La chose qui était là avec nous s'est retournée et l'a rapidement suivie. Je me suis dit que c'était parti et que j'étais en sécurité. Soudain, une main m'a frôlé. J'ai failli sursauter et crier, mais la main s'est rapidement déplacée et a saisi ma bouche, m'empêchant de faire le moindre bruit. Une autre main a saisi mon arme. C'est moi. Suis-moi. Lentement. Nous sommes entrés dans une pièce sur le côté et j'ai entendu une porte se fermer silencieusement. Nous avons attendu un moment, puis nous avons rallumé nos lampes. Putain, ne refaites jamais ça! Mais il n'écoutait pas. Il regardait les gouttes d'un liquide noir et épais sur le sol à l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce que c'est? Du sang. Enfin, c'en était autrefois. Moroz répondit et suivit la trace. Nous l'avons suivi à travers quelques pièces, jusqu'à ce que nous nous arrêtions dans un grand laboratoire de chimie. Il y avait quelque chose sur le sol, dans une flaque de liquide noir. C'était le couteau d'Alex. Il y avait aussi du liquide rouge. Je pouvais dire que c'était sans aucun doute du sang frais. Une traînée de quelques gouttes partait dans la direction opposée au liquide noir. « Regardez, il a dû s'enfuir !»« J'en doute. » Si on veut le retrouver, il faut aller au niveau moins 4. Il a jeté un coup d'œil au couteau et a fait comme s'il n'avait rien vu. C'est son couteau, ils ont dû se battre ici et il est parti par là. Il doit être blessé. J'ai pointé la direction de la trace de sang. C'est une raison de plus pour ne pas perdre de temps. Allons-y. Il est reparti dans le couloir central. Je voulais rester pour chercher Alex, mais la tâche qui nous reliait ne me le permettait pas. Alors j'ai suivi, dans un premier temps. « Moroz, dites-moi ce qui se passe. Comment savez-vous qu'il n'est pas ici ?»« Parce que je le sais. Tais-toi. Nous n'avons pas le temps de discuter. »« Je n'irai nulle part tant que vous ne m'aurez pas dit pourquoi vous en êtes si sûr. » J'ai insisté. « Parce qu'il est mort. »« Quoi ? Mais vous avez dit... »« Allez, on y va. Ce n'est pas un endroit où nous voulons rester. Nous devons descendre au niveau moins 4. » Moroz m'a coupé la parole. Non, je lui ai fait confiance au début parce qu'il était le seul à pouvoir m'aider et aider Alex. C'était la seule chose sur laquelle je me concentrais, sauver Alex. Ce n'est que maintenant que je me rends compte de ce dans quoi je me suis embarqué, à quel point j'étais aveugle et stupide. Il n'était pas un simple assistant comme il le prétendait, et nous n'étions pas là pour sauver Alex. J'ai commencé à détacher mon extrémité du filin. « Qu'est-ce que tu fous ?» demanda-t-il en haussant le ton. « Je sors. Donnez-moi la clé du cadenas. »« Non, je ne peux pas faire ça. » il a dit avec de l'agitation dans la voix. Je n'avais pas le choix. J'ai levé mon arme vers lui. « Donnez-moi la clé !» j'ai exigé à nouveau. « Tu crois vraiment que je t'ai donné une arme en état de marche ? Tu n'iras nulle part. »
il a dit et a pointé son fusil vers moi. J'ai appuyé sur la gâchette, mais il n'y a eu qu'un déclic. Putain de merde, il n'y avait pas de balle dans le pistolet. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi vous n'avez pas appelé vos amis, vos supérieurs ou quoi que ce soit d'autre pour s'occuper de ça? Disons que nous ne partageons plus les mêmes objectifs. Mais n'aie aucun doute, ils viennent ici, mais pas avec des armes, avec du béton. Ils vont sceller cet endroit pour de bon, et nous devons être rapides si nous voulons être dehors avant que cela n'arrive. « Pourquoi ne pouvez-vous pas me laisser partir maintenant ?» demandai-je, la voix tremblante. « Parce que c'est un travail à deux. » dit-il en me regardant dans les yeux. « Il y a des choses bien plus importantes que toi, moi ou ton ami. » Je ne pouvais pas le nier. Il avait peut-être raison, mais je ne pouvais pas faire ça, et je ne comprenais rien. « Mais qui êtes-vous » lui ai-je demandé en lui rendant son regard. Puis j'ai détourné le regard. Quelque chose a attiré mon attention, un mouvement derrière Morose. C'était une créature qui rampait vers nous à travers le plafond. Son corps ressemblait vaguement à celui d'un humain, mais sa peau était pâle et tendue sur ses os minces. Ses veines étaient visibles à travers la peau, remplies du même fluide noir que nous avons trouvé plus tôt. Il n'avait pas de cheveux, et n'avait que des trous à la place de son nez et de ses oreilles. Ses yeux étaient injectés de sang et fixé dans le vide. Nous l'avions déjà échappé, mais notre dispute l'avait ramené. Il était trop tard pour fuir maintenant. Mais il n'a pas été assez rapide. La créature s'est jetée sur lui, et au même moment, il s'est retourné et a tiré. Mais il a manqué son coup et la chose l'a fait tomber au sol. Ce coup de feu était assourdissant dans un espace aussi restreint. Je n'ai entendu que des bourdonnements dans mes oreilles, et mes yeux ont été légèrement aveuglés par le flash de la bouche du canon. Dans la confusion, je me suis retourné pour courir, mais j'ai oublié que j'étais toujours attaché à Morose. Une fois la ligne complètement déroulée, elle s'est bloquée, m'arrêtant net et me faisant tomber au sol. Je me suis retourné et j'ai vu que la créature me regardait maintenant. Morose était étendue sur le sol. J'avais dû l'arracher de la créature en lui tirant dessus. J'ai finalement réussi à déconnecter le filin et j'ai jeté le pistolet inutile sur la créature, frappant sa tête. Elle trébucha brièvement et je courus vers le seul endroit qui me vint rapidement à l'esprit. Je me suis barricadé dans une salle de stockage adjacente au grand laboratoire de chimie, bloquant la porte avec une étagère. La créature a passé une minute à essayer d'entrer, puis elle a abandonné et est partie, sans doute pour en finir avec Morose. Et je suis resté là, assis dans un coin, trop effrayé pour faire quoi que ce soit. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais je commençais à avoir du mal à respirer. Pendant un moment, j'ai pensé que je resterais là et que je mettrais fin à tout cela paisiblement, au lieu de la mort violente qui m'attendait probablement de l'autre côté de la porte. Puis, j'ai entendu une voix m'appeler par mon nom, la voix d'Alex. « Alex, c'est toi ?» Je l'ai appelé. « Oh, j'y crois pas. J'ai cru mourir ici, mais tu es revenu. » a-t-il répondu. J'ai voulu ouvrir la porte, mais je me suis ravisé. Comment m'as-tu trouvé ? Je me cachais aussi, mais j'ai entendu des coups de feu, et je suis venu ici pour voir. Dimitri, s'il te plaît, sors, il faut qu'on sorte d'ici. Je me suis rassis. Peut-être que c'était vraiment lui. Mais si ce n'était pas le cas, je ne voulais pas le découvrir. Non, il a dit que t'étais mort. J'ai vu du sang aussi. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas possible. Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Une de ces choses m'a touché, oui, mais je suis vivant. Dimitri, s'il te plaît, sors et partons d'ici. J'ai pris une décision. Je n'ouvrirai pas la porte, mais j'ai à nouveau changé d'avis après ce qu'il a dit. Dimitri, tu te souviens du cerisier ? Je savais que tu reviendrais. Quand nous étions enfants, nous avions l'habitude de jouer devant cet énorme cerisier. On y grimpait tout le temps. Mais un jour, j'ai eu l'idée de faire un pari. Celui qui monterait le plus haut gagnerait. J'ai presque atteint le sommet, mais j'ai réalisé à quel point c'était une mauvaise idée. Les branches sous moi étaient trop fines et je savais qu'elles pouvaient se briser sous mon poids à tout moment. Mais Alex ne voulait pas perdre. Il a essayé de grimper encore plus haut que moi. La brindille sur laquelle il se tenait s'est cassée et il est tombé. Heureusement, il a atterri dans un tas de feuilles mortes et ne s'est cassé que la jambe. Il aurait pu se tuer s'il était tombé sur la terre ferme.
et c'était ma faute. J'ai failli le tuer à cause d'un pari stupide. Nous avons décidé de ne raconter cette histoire à personne, parce que nous avions tous les deux peur d'avoir des ennuis. Mais je me suis senti coupable pour le reste de ma vie. Il était impossible que la personne derrière la porte sache pour le cerisier si ce n'était pas lui. J'ai ouvert la porte et il était là. Il avait l'air très mal en point, avec des bleus et des égratignures partout. Et il avait un morceau de chemise déchiré et taché de sang enroulé autour de sa main gauche. Tu vas bien ? Je vais mieux. Partons d'ici. Je lui ai dit que ce ne serait pas facile. Je lui ai raconté ce qui s'était passé jusqu'à présent et que la porte était fermée à clé. Seul Morose avait la clé et il était soit mort, soit parti. Il y avait des outils et des fournitures là-haut, n'est-ce pas ? Peut-être qu'on peut trouver quelque chose pour couper la chaîne. Nous avons décidé d'essayer. C'était mieux que de chercher la clé de Morose après tout. Nous avons trouvé son fusil taché de sang, le sien et celui de la créature, et nous nous sommes immédiatement sentis plus en sécurité. Nous avons également ramassé nos sacs que nous avions laissés tomber plus haut. Heureusement, tout notre équipement était encore là. Nous sommes prudemment retournés vers le hall principal. Mais j'ai senti que quelque chose nous observait depuis le début. Nous avons vu quelques vieilles scies et limes à côté de la porte principale. Nous avons pris tout ce que nous pouvions. Mais nous n'étions pas seuls. Les habitants ont finalement décidé de passer à l'action. L'une des minces créatures est sortie de la cage d'escalier en rampant. J'ai visé et j'ai tiré. Elle est tombée du plafond, se tortillant comme un insecte mourant. Mais ce n'était pas grave, car elle n'était pas seule. Une autre est sortie en rampant, puis une autre, et encore une autre. Nous avons couru vers la salle des pompes à air et bloqué la porte en coinçant une grande scie entre les poignets. Nous avons travaillé rapidement, car nous savions que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne passe à travers, ou qu'il passe par les bouches d'aération. Alex ne pouvait pas utiliser le fusil de chasse avec sa main blessée, alors il a proposé de faire le découpage pendant que je montais la garde, prêt à tuer tout ce qui sortirait des bouches d'aération. Ça marchait, mais c'était lent, beaucoup trop lent. Alex avait à peine franchi quelques millimètres que j'ai cru que la porte allait déjà se briser. Il tapait dessus, la frappait avec force et je la voyais s'entrechoquer dans ses gonds. J'ai cru qu'ils allaient passer d'un moment à l'autre, puis ils se sont arrêtés. Je les ai entendus s'enfuir. J'ai toussé quand une forte odeur m'a frappé le nez. Putain, qu'est-ce que c'est ? De l'ozone. Oh non, 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 non ! J'ai immédiatement réalisé que l'odeur était très similaire à celle que nous avions remarquée lorsque nous étions entrés dans le bunker pour la première fois. Mais elle était beaucoup, beaucoup plus forte. Mon compteur Gégère s'est mis à cliqueter, lui aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Ce type, Morose, m'a parlé de ça. Il m'a dit de courir. Juste au moment où je terminais de parler, la porte s'est ébranlée dans un énorme claquement, envoyant de la poussière dans les airs. Il n'y avait nulle part où courir. Nous avions une lourde porte en acier d'un côté, et Dieu sait quoi de l'autre. Je n'avais aucune idée de la façon dont nous pourrions survivre. Heureusement, Alex était là. Tu as encore la corde ? Sans hésiter, nous l'avons attachée à l'une des pompes. Au début, ce n'était pas facile de travailler avec la corde alors que mes mains tremblaient violemment. Mais un nouveau claquement retentit dans la pièce. L'un des boulons qui tenait la porte a été projeté à l'autre bout de la pièce. J'ai senti une vague de froid me parcourir l'échine. Et soudain, je n'avais plus qu'un seul but : faire le nœud. Tout le reste s'est arrêté dans ma tête. J'avais terminé et nous l'avons laissé tomber dans la bouche d'aération cassée dans laquelle Alex avait été entraîné auparavant. Nous sommes entrés et avons commencé à glisser le long de la corde. J'ai entendu un autre claquement, puis ce que je pense être la porte frappait le sol. C'était à travers. J'ai glissé plus vite, mais la corde commençait à me brûler la main. J'ai perdu prise et je suis tombé quelques mètres plus bas, atterrissant sur une autre bouche d'aération. Elle s'est brisée et je suis tombé dans un autre couloir. Alex a alors atterri sur moi. Il nous a fallu quelques instants pour nous remettre sur pied. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une porte orange intitulée « Décontamination ». Nous étions au niveau moins 3. Il n'y avait pas de poignée, seulement un bouton sur le mur à côté. J'ai appuyé dessus et la porte s'est ouverte au bout de quelques secondes. Nous sommes entrés dans une petite pièce avec un panneau de contrôle. En l'utilisant,
j'ai fermé la porte derrière nous. Plusieurs jets d'air nous ont alors projetés. Une lumière verte s'est allumée et une autre porte s'est ouverte devant nous, nous invitant à pénétrer plus profondément dans l'installation. J'ai remarqué que le panneau de contrôle était taché d'une tache de sang frais. Morose était-il encore en vie et était-il passé par là? Nous ne pouvions pas revenir en arrière. Notre seule option était de voir jusqu'où le trou de lapin s'enfonçait. C'était censé être une salle blanche, mais l'endroit était encore plus détruit que le niveau supérieur. Après avoir marché et cherché, nous avons trouvé une pièce qui ressemblait à une infirmerie de fortune. Quelques dizaines de lits séparés par des rideaux en plastique et du matériel médical. Sur certains lits, il y avait encore l'affiche des patients. Patient 2, quarantaine, équipe d'enquête. C, patient dans le coma. Observation uniquement. Ne pas intervenir. Décédé 0728, inconnu. Patient 6, quarantaine. Équipe d'enquête C, patient dans le coma. Observation uniquement. Ne pas intervenir. Décédé 0752, inconnu. Patient 19, quarantaine. Assistante opératoire sur place, premier contact avec l'équipe d'enquête C. Traumatisme contondant massif. Thorax, lésion interne suspectée. Commotion crânienne, lésion suspectée de la colonne cervicale, dislocation de l'épaule gauche, fracture de l'humérus gauche, lacération multiple, thorax. Décès 0404, hémorragie interne. Patient 7, quarantaine, équipe d'enquête, C. Le patient est psychotique et ne réagit pas. Gelure légère à modérée, observation uniquement. Ne pas intervenir. Ordre de cessation. Signé. A. Morose. Il y avait des sacs mortuaires de l'autre côté de la pièce. Vides. Nous avons fouillé la zone et nous sommes finalement arrivés dans les niveaux inférieurs de l'installation. Il y avait une odeur de pourriture tout autour. Nous sommes entrés dans une pièce et... Eh bien, il y avait cette substance partout. Sur les murs, sur le sol, sur le plafond, partout. On aurait dit de la chair, avec des vrilles ou des veines qui la traversaient, comme dans le jeu Dead Space. Puis nous avons trouvé des corps attachés à cette substance, des dizaines, rabougris comme des insectes morts dans une toile d'araignée. « Je crois qu'on devrait y retourner », dit Alex, anxieux. Nous avons fait demi-tour, mais j'ai entendu des débris bouger au loin dans le couloir d'où nous venions. Très vite, une de ces choses s'est glissée dans la lumière émise par ma lampe de poche. Elle est restée là un moment à nous fixer de ses yeux vides, puis elle a fait un bond en avant. Puis, la chose est tombée sur le sol, morte, et une balle de fusil vide a fait de même peu de temps après. J'en ai entendu d'autres se diriger vers nous au loin, alors nous avons couru plus profondément dans l'installation. J'ai abattu quelques-uns de ces monstres en chemin, mais je n'avais plus de munitions. Nous avons fini par trouver un long tunnel sombre inondé d'eau. Les choses étaient presque sur nous. Je les voyais ramper le long des murs derrière nous. Nous sommes entrés dans le tunnel. L'eau nous ralentissait considérablement et je m'attendais au pire. Mais j'ai remarqué que nous n'étions pas suivis. Les choses ne voulaient pas entrer dans le tunnel. Nous avons marché pendant je ne sais pas combien de temps. Une heure, deux heures. L'eau était glacée, mais heureusement, elle nous arrivait jusqu'aux genoux seulement. Donc ce n'était pas trop grave. J'ai déjà dit qu'Alex n'avait pas l'air bien depuis que je l'avais trouvé, mais au fur et à mesure que nous avancions, son état semblait s'aggraver. Il s'est plaint d'avoir mal à la tête et d'avoir des vertiges. Sa peau est devenue pâle et il avait l'air très faible. Au bout d'un certain temps, j'ai dû le soutenir, et plus tard, il s'est complètement effondré et a perdu connaissance. Nous ne pouvions pas faire demi-tour. Ma seule option était donc de trouver un moyen de le traîner dans l'eau. Cela a duré un certain temps. Puis j'ai entendu quelque chose au loin, dans la direction d'où nous venions, une éclaboussure. Je me suis retourné et j'ai éclairé le tunnel noir. Rien. J'ai continué à marcher, mais j'ai entendu à nouveau la chose. « Qui est-ce ?» J'appelais, espérant entendre une réponse. Peut-être que Morose était ici, ou bien les créatures nous ont-elles suivis après tout. Mais rien n'y fait. J'ai accéléré le pas. Mais ce n'était pas facile de traîner une autre personne et de se déplacer dans l'eau jusqu'aux genoux. Les bruits continuaient.
Ils ne se rapprochaient ni ne s'éloignaient. Ils étaient simplement là. Puis j'ai atteint la fin. Le tunnel était fermé par une autre porte massive en acier, sans aucun moyen visible de l'ouvrir. C'était un putain de cul-de-sac. J'ai arrêté de bouger et j'ai écouté. Ces bruits, ce n'était pas juste une éclaboussure. C'était plutôt comme si quelqu'un ou quelque chose pataugeait dans l'eau. J'ai paniqué et j'ai commencé à frapper à la porte pour appeler à l'aide. Je n'avais nulle part où aller. Les bruits se rapprochaient de plus en plus. J'ai vu des vagues dans l'eau. C'était maintenant très proche. Je me suis retourné lentement et j'ai regardé dans le tunnel. Je n'ai rien vu ni entendu. Juste le silence et l'obscurité. C'est alors que j'ai senti une odeur familière. L'ozone. J'ai entendu le métal bouger derrière moi et la porte s'est ouverte. Dimitri ? Une voix familière m'a appelé. Moroz. Non, mais c'est pas vrai, tu l'as amené ici. Il nous a tirés, Alex et moi, à travers la porte et l'a refermée aussi vite qu'il a pu. C'est ton ami ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Demanda-t-il en regardant Alex, toujours inconscient. Je n'en sais rien. Est-ce que ça va ? Je lui ai répondu. Il avait une large entaille sur le visage et l'œil droit. Eh bien, pas terrible, et ce n'est franchement pas grâce à toi. Il a remarqué le bandage de fortune sur le bras d'Alex et l'a déroulé. Ce qu'il avait sur le bras n'était pas une simple blessure, c'était une morsure. Ça, dit Moroz en la pointant du doigt. Recule, allez. Il se leva et dégaina son fusil. Non, attendez, dites-moi au moins ce qui se passe. Il sera mort dans quelques minutes. Cela rendra les choses plus faciles. Pour lui aussi, mais surtout pour nous. Quoi ? N'y a-t-il vraiment rien d'autre que nous puissions faire ? Je l'ai supplié. Il m'a regardé, a regardé Alex, et est resté là, à réfléchir pendant un moment. J'ai été immédiatement soulagé lorsqu'il a rangé son fusil. D'accord, ceci pourrait l'aider. Il a sorti de son sac à dos un étui contenant une seringue. Elle semblait avoir été utilisée récemment et n'était remplie qu'à moitié d'un liquide transparent. Il injecta le reste à Alex. De toute façon, ça n'aura pas d'importance. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Suis-moi. Prends-le aussi si tu veux. Moi, je ne le porte pas. Je suppose que tu as déjà compris que tout cela a un rapport avec la catastrophe d'il y a 30 ans. Il expliqua alors que nous nous déplacions dans l'installation. La première machine que nous avons utilisée pour les expériences de téléportation n'était ni assez puissante, ni assez fiable. Nous avons compris que tout cela n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Nous ne faisions pas que téléporter une chose à un endroit différent. Nous la transférions entre plusieurs réalités parallèles. Mais c'était limité. Nous ne pouvions échanger que deux objets de masse égale entre deux endroits identiques dans deux réalités différentes. Ils ont donc construit une nouvelle machine ici et utilisé un réacteur nucléaire pour l'alimenter, dans l'espoir que nous pourrions déplacer n'importe quoi à n'importe quel endroit entre deux réalités données. Nous avons commencé à explorer de nouveaux univers. Nous avons vu des mondes où les Allemands ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, des mondes où nous nous sommes tous détruits les uns les autres, et même des mondes où la vie n'a jamais évolué sur Terre. Puis, quelqu'un a eu cette idée. S'il existe des univers parallèles, qu'y a-t-il entre eux ? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir, et c'est là que les choses ont mal tourné, comme je l'ai dit. Nous aurions dû nous contenter de ce que nous avions. Mais on en veut toujours plus, n'est-ce pas ? Nous avons essayé d'accéder à cette « réalité du conduit », comme ils l'appelaient. Mais quand ils ont activé la machine, elle est restée ouverte. Quelque chose s'est passé, et un portail a été créé, indépendant de notre machine. Il se maintenait tout seul. Nous avons donc envoyé une équipe d'enquêteurs à l'intérieur. Ils sont revenus après quelques minutes, rapportant toutes sortes de choses étranges. Ils nous ont dit qu'un sentiment étrange emplissait cet endroit, que l'espace et le temps eux-mêmes étaient bizarres, et même que certains d'entre eux affirmaient s'être vus à différents endroits à la fois. Ils ne voulaient pas y retourner, même si on les menaçait de toutes sortes de sanctions. Nous avons envoyé une deuxième équipe d'enquêteurs plus tard. Celle-ci n'est pas revenue du tout. Nous avons donc envoyé une troisième équipe à leur recherche.
Ils sont revenus, mais quelque chose n'allait pas à leur retour. Leurs esprits étaient comme effacés. J'imaginais les regards vides des créatures que nous avions combattues en chemin. Peu de temps après leur retour, une énorme explosion d'énergie a jailli du portail, directement vers le haut, dans le réacteur. Mais ce n'est pas tout. Et vous pouvez m'expliquer comment vous savez tout ça alors que vous avez pris un congé maladie à ce moment-là ? J'étais à un autre endroit de l'installation quand c'est arrivé. Je n'oublierai jamais quand ils sont venus me voir pour me dire que quelque chose était entré dans notre monde. Qu'est-ce que c'était ? Je n'en sais rien. Personne ne le sait. C'était comme tout ce que nous avons vu, et ça a tué presque tout le monde ici. Ça n'a pas seulement tué, ça a fait des choses aux gens. Tu as bien vu. On est arrivé. Nous sommes entrés dans une salle de contrôle, remplie d'ordinateurs, de commandes et d'affichages divers. Moroz a fermé une autre porte blindée et nous a enfermés dans la salle de contrôle. Nous devons fermer le portail. Nous avons déjà essayé, mais ces choses ne nous ont pas laissé faire. Dès que j'ai su que tu étais allé à l'intérieur de l'installation et que tu en étais revenu, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'anormal. Cet endroit était plein d'eux. Au moins, l'un d'entre eux est encore là. On peut le détecter avec l'odeur de l'ozone. Mais il y a quelques années, quiconque entrait ici ne dépassait pas le niveau moins 1. Mais nous sommes arrivés jusqu'ici. Et je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui me fait peur. Il y a quelque chose qui cloche. Je sais que j'en demande beaucoup, mais nous devons aller à l'intérieur du portail et utiliser ceci. Il vida son sac à dos et en sortit un engin à l'aspect rudimentaire auquel pendaient toutes sortes de fils de bobines et d'autres éléments. Nous devons placer une extrémité dans l'autre réalité, puis revenir avec l'autre extrémité dans la nôtre. Si ça marche, le portail pourrait s'effondrer. Et comment savez-vous que la même chose que ce qui est arrivé à la troisième équipe ne nous arrivera pas à nous aussi ? C'est justement ça le problème, je ne sais pas. Mais je vais te dire ceci. Tu sais comment ils ont construit ce bouclier de béton au-dessus du réacteur. Ils n'essayaient pas de sceller le réacteur. Ils essayaient de sceller cet endroit pour empêcher tout ce qui entrait dans notre monde d'en sortir. Et il y a quelques années, la chose que nous craignions le plus est arrivée. Le bouclier a commencé à se fissurer. Ils essayaient de sortir. Ils ont donc construit un nouveau bâtiment de confinement récemment, comme tu le sais. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Tôt ou tard, quelque chose lâchera et ils sortiront. C'est peut-être notre seule chance d'en finir pour de bon. Comment diable ai-je pu me retrouver là-dedans ? Me suis-je demandé à ce moment-là ? Je n'étais qu'un simple kidam au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais Moroz parlait comme si le destin de notre monde dépendait de moi. Mais il avait peut-être raison. Quelle que soit la série de coïncidences qui nous a amenés ici, qui m'a amené ici, peut-être que Moroz et moi étions les seules personnes qui pouvaient faire ce qui devait être fait. D'accord, faisons-le. Nous avons enfilé une paire de ce qui ressemblait à des combinaisons spatiales modifiées et nous sommes entrés dans la machine. Nous étions dans une chambre en forme de dôme remplie de machines compliquées. Au centre, il y avait une sphère de lumière blanche. Au-dessus, un puits noir et creux s'élevait tout droit, avec des fissures et des débris autour de l'ouverture. Nous nous sommes attachés à un rail en acier, et Moroz s'est avancé dans la sphère et a disparu. Après quelques hésitations, j'ai fait de même. Je me suis retrouvé dans un espace que je ne peux pas décrire. Il n'y avait ni haut ni bas. Et je pouvais marcher dans n'importe quelle direction. L'endroit semblait vide, mais je pouvais voir d'innombrables formes infiniment grandes avec des milliards de petits points brillants à la surface. Ici. Une voix m'a appelé. J'ai cherché Moroz, mais je ne l'ai pas trouvé. Où êtes-vous ? J'ai appelé. Il a dit... Viens. Et m'a attrapé par le bras, comme sorti de nulle part. J'ai remarqué des centaines ou des milliers d'autres sphères blanches au loin autour de nous. Ce sont... Oui, des portails d'autres réalités parallèles. Allons-nous tous les fermer ? Non, seulement les nôtres. Les autres ne sont pas notre problème. Ils devront trouver leur propre solution. Nous nous sommes dirigés vers une forme distincte. Et comme pour tout ce qui se passe ici, j'ai du mal à la décrire. C'était comme une fractale,
la même forme se répétant encore et encore. Je crois que c'est ici. Morose dit, et commença à faire quelque chose avec l'appareil. Il émet plusieurs bips, puis commença à émettre un bourdonnement aigu. Oh non, non, ce n'est pas bon. Écoute, j'ai besoin que tu prennes l'autre extrémité et que tu reviennes. Une fois de retour, tire sur cet interrupteur et maintiens ce bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il s'active. Je dois rester ici. J'ai pris mon bout de la machine et j'ai regardé un fil se dérouler entre les deux. Et la clé de la porte de sortie ? Il n'y a pas de clé. Quoi ? Mais vous avez dit que ce n'était pas le plan ! Ça a toujours été le plan. Je ne pouvais pas risquer. Il n'a pas fini. J'ai vu quelque chose au coin de l'œil, un mouvement. Merde ! Ne le regarde pas ! Va-t'en maintenant ! Cours ! Morose a dit et j'ai écouté. J'ai couru en arrière, j'ai suivi la ligne jusqu'à notre portail, les yeux presque fermés. Je l'ai traversé, j'ai posé l'appareil sur le sol, j'ai appuyé sur l'interrupteur et l'appareil a commencé à faire produire un bruit aigu similaire. J'ai appuyé sur le bouton. Pendant une seconde ou deux, il ne s'est rien passé. Puis soudain, l'appareil, ou le portail, a émis un gémissement perçant, un flash intense et une vague de chaleur. Et puis, il a disparu. Les fils coupés et le câble d'attache gisent sur le sol, à l'endroit où se trouvait le portail. Pendant ce temps, Alex s'est réveillé. Il avait l'air d'aller beaucoup mieux, et je le lui ai raconté ce qui s'était passé pendant qu'il était sorti. Nous ne savions pas quoi faire maintenant. Nous avons envisagé de retourner sur nos pas et d'essayer à nouveau de couper la chaîne de la porte extérieure. Mais après ce qui s'est passé la dernière fois, nous avons douté que cela puisse fonctionner. Nous n'y arriverions probablement pas vivants. Mais Alex a eu une idée. Et si on utilisait la machine pour se téléporter hors d'ici ? Il nous a fallu plusieurs heures pour comprendre le fonctionnement des commandes. La machine était très endommagée, et le réacteur était manifestement hors de question. Mais les générateurs situés au-dessus fournissaient suffisamment d'énergie pour une simple translocation, ou comme ils l'ont décrit. Tout ce que nous avions à faire, c'était d'entrer un vecteur cible. C'est alors que le cliquetis familier et l'odeur d'ozone se firent entendre. Un claquement puissant secoua toute la pièce et laissa une large bosse dans la porte en acier qui reliait la salle de contrôle au reste de l'installation. Putain, pas encore ! Je crois que j'ai trouvé. Il y a des vecteurs écrits ici. Il suffit d'ajouter un peu de hauteur et nous serons au-dessus du sol. Fais vite ! J'ai crié alors que la porte s'ébranlait dans un autre claquement. Il a fait quelque chose et les commandes se sont allumées avec des alarmes. Nous avons couru jusqu'à la chambre centrale et l'avons refermée derrière nous, juste au moment où nous avons entendu la porte de la salle de contrôle céder. Nous nous sommes placés au centre et avons attendu. Des étincelles et de la fumée envahissaient la pièce, tandis que la machine faisait son travail. « Il faut que ça marche !» J'ai entendu un autre claquement et la porte de la chambre s'est détachée du mur et est tombée au sol. J'ai regardé et le temps s'est figé. Je n'ai pas eu peur, je me suis senti en paix. J'avais l'impression d'être à deux doigts de tout comprendre. Je voulais rester ici pour toujours. Un éclair m'a soudainement aveuglé, puis j'ai heurté ma tête contre quelque chose. J'ai ouvert les yeux et respiré de l'air frais. Nous étions couchés à l'envers dans un trou qui ressemblait à un cratère dans le sol d'une forêt. Nous étions dans les vapes. Nous avons retrouvé notre voiture au bout de quelques minutes. Nous avons vu plusieurs hélicoptères militaires voler dans la direction opposée pendant que nous rentrions à la maison. Alex est allé à l'hôpital avec une histoire inventée d'attaque animale. Il s'en est finalement sorti. Nous n'en avons plus reparlé. C'était fini. Et je pensais que notre monde était à l'abri de ce qui se trouvait de l'autre côté du portail. Mais quand je suis finalement rentré chez moi ce jour-là, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Le vieux cerisier sur lequel nous avions l'habitude de jouer quand nous étions petits n'était pas là. Il y avait un pommier à la place. Nous avons réussi à transporter une pomme aujourd'hui. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le motif de la peau rouge et verte sur le dessus était légèrement différent. Nous les avons transférés entre plusieurs réalités parallèles. Allons-nous tous les fermer ? Non, seulement les nôtres. Les autres ne sont pas notre problème. Ils devront trouver leur propre solution. Je crois
que je ne suis plus dans la réalité où je vivais avant. Je pense que lorsque nous nous sommes téléportés, nous nous sommes retrouvés dans une autre réalité. Je n'arrête pas de penser que le portail de cette réalité est peut-être encore ouvert, et je pense sincèrement que nous ne sommes pas en sécurité. »